On reste au Maroc où, à la veille de la reprise progressive des arrivées touristiques prévues le 15 juin, les opérateurs du tourisme s'apprêtent à accueillir à nouveau leurs clients encouragés par l'avancement de la campagne vaccinale, l'allègement des restrictions, la réouverture des commerces et la reprise progressive du tourisme. Les hôteliers préparent des offres attractives pour drainer le plus de clients possible. Je vous propose d'écouter Hamza Misgari et Souheil Khals, directeur général de deux unités hôtelières à Tanger. Inch'Allah, ça va être une très bonne saison, mis à part des restrictions qui ont été levées par rapport au Covid. Premièrement pour les déplacements interville, ce qui va vraiment encourager le tourisme interne et aussi par rapport aux offres qu'il y a sur Tanger et sur la région du Nord. Le message qu'on veut passer, c'est qu'il y a une multitude d'offres au niveau des télébudgets qui sera vraiment adaptable à tous les catégories socio-professionnelles. Notre conseil en fait pour le secteur privé et le secteur surtout pour les ménages marocains, c'est de pouvoir planifier leur voyage en avance. Comme ça, ils vont pouvoir profiter des prix qui sont abordables avec une multitude de choix sur le marché. Comme ça aussi, ils vont pouvoir bénéficier des restrictions qui sont allégées au niveau des déplacements et aussi au niveau des établissements hôteliers pour avoir un flux de gens qui est vraiment allégé. Donc on vous encourage vraiment à venir visiter la région du Nord. C'est une région qui regorge de potentiel naturel aussi bien que de loisirs et d'entertainments. Bienvenue dans Achamal, comme on dit. Merci. La reprise a été très intéressante, elle a dépassé même nos prévisions et on a constaté cela depuis la fin Ramadan, depuis le week-end de l'Aïd. C'était l'occasion où tous les hôtels pratiquement de Tanger ont fait le plein. Et cette tendance a continué parce que la semaine, les hôtels remplissent pas mal et les week-ends, tous les hôtels pratiquement de la ville sont pleins. Nous pensons que cette dynamique va continuer comme ça et va encore s'accélérer avec l'ouverture des frontières. L'ouverture des frontières est prévue dans 4-5 jours et nous pensons que à partir de ce moment-là, les hôtels vont remplir davantage. Et nous prévoyons une saison estivale très intéressante au niveau de Tanger cet été.